Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur mon profil Damien Demarle, je suis sur l'île des Pins, je suis sur l'axe central de la route. En fait l'île fait environ 20 km de large pour 15 km de hauteur. Alors là vous allez le voir, pas forcément dans ce sens là mais en face, il y a un truc qui est magique, même sur l'île des Pins ça se fait, même sur toutes les localités ça se fait, sur la Grande Terre ça se fait quasiment partout sauf dans les grandes villes, c'est de saluer les gens quand ils arrivent. Ça peut paraître totalement anecdotique, mais en fait ça fait partie en fait de la culture locale, et à chaque fois que je lève le bras, quand je lève pas le bras, les gens lèvent le bras, c'est un truc de fou. Pourtant l'île des Pins c'est touristique, hein. Enfin voilà, c'est quand même un endroit où c'est un des plus belles endroits au monde. Et franchement, respect énorme en Calédonie, où en fait tu vois, il y a toujours ce respect, genre c'est pas uniquement une voiture, c'est quelqu'un qui croise les regards, c'est même si c'est un inconnu, je le respecte et je lui fais un signe. Donc ça je trouve que c'est énorme en fait de ce respect. Alors j'en discutais avec pas mal de locaux directement, des Kanaks, ou même des Caldoges, des expatriés, donc j'essaie de comprendre un petit peu pourquoi il faut lever le bras. Tout simplement, c'est juste que il y a une entraide qui est énorme, surtout sur les îles Loyauté, dans les parties tribus. Je l'ai compris en fait, c'est qu'il y a une entraide qui est énorme. Du coup, c'est pas uniquement un inconnu, c'est quelqu'un, ça se trouve, qui va t'aider plus tard. Donc, faut toujours le saluer parce que derrière, ça se trouve, il va avoir besoin de toi ou tu auras besoin de lui. Ou tout simplement, tu vas prendre un café. De toute façon, tout le monde se connaît, surtout sur les îles, dans les tribus. Donc, il faut toujours rester courtois et lever le bras. Vous allez voir, c'est franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la planète où tu lèves le bras à chaque fois que tu vois un véhicule. Alors, bien sûr, c'est hors Nouméa, hors grande ville, hors Kone, hors Kumak, toutes les grandes villes en Calédonie, enfin où il y a 5-10 000 habitants. Mais dès l'instant que tu as une petite bled, dès l'instant que tu as une tribu, toi, là, il y a une voiture qui arrive, tu vas voir, je sens un truc de fou. Voilà. Mais là, personne n'a bien levé le bras, j'ai pas levé le bras. C'est un truc de fou. Et tu lèves le bras quasiment toutes les 30 secondes. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Je pense que je peux voyager n'importe où en Asie, n'importe où dans le monde. Je pense que ce concept, il est unique. Voilà. Merci à la Calédonie. C'était juste pour faire partager cette anecdote qui peut paraître, comme je l'ai dit, totalement bizarre. Mais pour moi, c'est un truc qui est juste magique. Et c'est ça que j'adore. Et qu'à Nouméa, je viens de passer quelques jours entre les deux gros voyages sur les îles Loyauté et l'île des Pins. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'ai mal vécu mon retour à Nouméa. Enfin, c'est pas que j'ai mal vécu, mais sur les îles, je me sens beaucoup plus détendu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à mettre un petit commentaire, enfin à vous abonner sur Snap pour me suivre en direct. Et moi, je vous retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut les amis!